Bonjour à tous. Pour tous les amoureux du cinéma, je vous propose aujourd'hui une petite sélection des films qui m'ont marqué. Et je vais tout d'abord commencer par le film de Walter Salles qui est Carnet de voyage. Un petit peu d'évasion dans ces temps difficiles, ça fait pas de mal. Un road trip à la façon d'un récit initiatique qui nous parle de la vie du grand Che dans des décors absolument impressionnants et une interprétation grandissante de ses personnages. On va continuer sur une nouveauté qu'on vient de rentrer, ben forcément c'est l'intraitable Joker. Donc personnage vraiment haut en couleur, très fascinant, très attachant aussi. Comprendre un peu la complexité de sa psychologie, c'est pour moi le maître mot de cette œuvre absolument à voir. Ensuite, allez un petit doc pour continuer. Nous allons parler de l'œuvre de Capadia, donc Diego Maradona, un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Donc lui qui a réalisé aussi Senna et Amy. Là, on nous parle en fait du personnage qui est un peu décrié, comme on le sait, mais qui est tout intéressant aussi à voir en dehors du football, c'est-à-dire les coulisses de sa vie et comprendre pourquoi Diego il en est arrivé là. Donc vraiment très instructif. Ok. Allez, un petit film français, pour moi, c'est le film d'Hugo Gélin, qui est assez récent, qui s'appelle Mon Inconnu, avec François Civil et Joséphine Japy. Tout simplement, elle, c'est la femme de sa vie, sauf que du jour au lendemain, elle ne le connaît plus, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc comment il va faire pour justement la conquérir? Ça, c'est ce qu'on va savoir et je vous le conseille. Ensuite, allez, pour moi, on va continuer sur un film vraiment époustouflant de Danny Boyle, c'est Slumdog Millionnaire, un destin hors du commun d'un jeune indien qui, du jour au lendemain, il finit millionnaire de l'édition locale de Qui veut gagner des millions pour eux. Et en fait, on va comprendre à travers un puzzle, reconstituer voilà, les passages de sa vie dans des flashbacks très puissants et qui nous emmène très très loin. Vraiment, ce film fait voyager et voilà, c'est un gros coup de cœur. Ok, alors pour finir, je vais vous présenter un bon livre, un bond d'ailleurs, puisque voilà, récemment on sait que Sean Connery nous a quittés, un monument on va dire du cinéma. Mais Sean Connery, pas simplement, parce qu'on a aussi Roger Moore qui nous a écrit un magnifique livre qui nous raconte un peu voilà, l'histoire des James Bond à travers tous ses interprètes. Timothy Dalton aussi, en finissant sur Daniel Craig. Donc savoir un peu les spécificités de chacun et aussi les coulisses des films, pour moi c'est très enrichissant. C'est un peu la bible du grand espion qu'est James Bond. Donc voilà, plein d'œuvres à retrouver aussi chez nous. Donc... c'est la médiathèque de Perpignan et voilà pour nous.